Cette année, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, le Parlement européen organise l'exposition Displaced, regroupant une série de photos sur les femmes réfugiées et demandeuses d'asile. Les photos prises par Marie Dorigny mettent en avant les différentes formes de violences dont les femmes sont victimes pendant leur voyage vers une terre d'accueil. Comme la crise migratoire est devenue une priorité au niveau européen, mais aussi au niveau national, bien évidemment, le Parlement et sa commission de femmes, la commission spéciale pour le droit des femmes et le respect des genres, a pris l'initiative d'écrire un rapport sur la situation et la vulnérabilité des femmes réfugiées pendant leur voyage, parce que notamment 55% des réfugiés sont des femmes et des enfants, et leur vulnérabilité n'est pas encore bien reconnue en Europe. Le photoreportage réalisé en décembre 2015 et janvier 2016 a pour but premier d'interpeller les politiques. C'est évident, il y a deux buts. Le public cible le plus important, c'est la Commission européenne et c'est les États membres, parce que c'est eux qui doivent prendre des mesures pour mieux protéger ces femmes et ces enfants pendant leur voyage dans les pays d'origine et dans les pays où ils sont accueillis. Mais deuxièmement, le grand public aussi, on a vu que les femmes et les enfants sont un peu oubliés et n'ont pas assez de visibilité dans la crise migratoire, et c'est pour ça aussi qu'on veut donner un peu d'awareness pour un public plus grand. Toutes les photos sont faites avec beaucoup de respect pour les femmes et les enfants qui sont pourtraités. Et en fait, c'est un voyage de la Grèce sur les bateaux, dans les centres d'accueil, les hotspots en Grèce, la Macédoine aussi, vers l'Allemagne finalement. Donc c'est des photos qui sont faites en noir-blanc. C'est avec beaucoup de respect, avec qui touche. Displaced, une exposition à découvrir au Parlamentarium du 3 mars au 1er juin 2016.